Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec Manchester United et c'est Wayne Rooney qui prend les devants. Le capitaine emblématique des Red Devils a organisé une réunion de crise pour stopper cette spirale négative. Louis van Gaal, plus que jamais en danger, doit vite redresser la barre durant le Boxing Day. Chez le rival à Manchester City, c'est un autre attaquant qui fait parler de lui. Wilfried Bony n'apprécie pas d'être sur le banc des remplaçants et le fait savoir auprès de son coach Manuel Pellegrini. Durant la dernière défaite des Citizens face aux Gunners, c'est Sergio Aguero qui avait pris sa place, sans succès. À Chelsea, Gus Hiddink est à peine en place qu'une première recrue serait sur le point d'arriver. Selon la presse anglaise, les Blues auraient acheté le milieu offensif Alex Teixeira en provenance du Shakhtar Donetsk pour 40 millions d'euros. Chelsea s'intéresse également à Jamie Vardy, même s'il faudra sûrement attendre l'été prochain. Mais les Blues ne seront pas seuls dans la bataille. Manchester City vient s'ajouter à la lutte pour le buteur. Un prix aurait été fixé, 40 millions d'euros. On part en Espagne où la radio Cadena Ser parle du Real Madrid qui penserait de plus en plus à faire revenir José Mourinho. En cas de départ de Rafa Benitez, les dirigeants madrilènes y seraient favorables. En fait, Florentino Pérez hésite entre le Special One et Zinedine Zidane. Sur la une de As, on retrouve un ancien de la Maison Blanche, Gonzalo Higuain. Parti à Naples depuis 2013, l'attaquant argentin pourrait prendre la direction de l'Allemagne au Bayern Munich en cas de départ de Lewandowski au Real Madrid. Et on termine par le Barça qui pourrait perdre ses pépites. Les jeunes espoirs du club commenceraient à perdre patience et voudraient voir ailleurs. Bartra intéresse Séville et Tottenham surveille Sandro. Quant au capitaine de la réserve, Grimaldo, la presse portugaise le voit déjà avec la tunique rouge de Benfica. C'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous demain pour plus de gros titres et d'infos fraîches.